Connaissant l'allure que la crypto-monnaie, le baby Dogecoin, est en train de prendre, est-ce possible qu'on puisse casser les 3-0? Et qu'est-ce qu'il faut pour que la crypto puisse casser les 3-0 de manière à ce que la valeur en termes du prix puisse toujours continuer petit à petit? Alors dans cette vidéo, je suis là pour vous montrer ce qu'il faut faire pour que la crypto baby Dogecoin puisse réaliser 0.00001 à la fin, donc en termes de prix de la crypto. Crypto-monnaie. Alors suivez jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir ce qu'il faut s'attendre à ce que la crypto puisse réaliser ses prix. Alors à titre d'avertissement, je ne suis pas votre conseiller financier. Faites votre propre recherche si vous voulez investir dans le monde de la crypto, car le marché de la crypto est volatile et très risqué. Mais si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'hésitez pas à nous soutenir avec un beau pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, car sur notre chaîne, nous parlons de la crypto-monnaie en général et en particulier, je parle régulièrement de notre crypto qui est le baby Dogecoin. Je vous présente des actualités sur cette crypto et comment il faut s'y prendre pour espérer gagner de bénéfices avec cette crypto. Donc je vous présente des éléments que vous devrez normalement connaître si vous êtes détenteur de la crypto, même si vous n'êtes pas détenteur de la crypto, mais pour que vous puissiez savoir ce qu'il faut en termes de la crypto-monnaie qui est, nous appelons les baby Dogecoin. Alors sans trop parler, nous allons d'abord commencer par voir les actualités. Donc si nous essayons un peu de voir les actualités, il n'y a pas vraiment d'actualité que vous devrez connaître beaucoup, mais là c'est juste un rappel en ce qui concerne le vote des 54 lions qu'il suffit voter. Donc là on dit did you vote for 50 quadrillion burn? Donc si vous n'avez pas encore voté, donc là c'est juste un rappel que vous pouvez directement aller voter, et si vous voulez voter, vous savez déjà ce qu'il faut faire, j'avais parlé dans l'une des vidéos. Et ici par exemple, ici on dit make your voice heard in the community. Ici c'est juste donner par exemple des suggestions en ce qui concerne cette crypto. Vous pouvez tout juste venir ici en cliquant sur le lien que je vous ai montré. Vous pouvez venir ici donner par exemple votre suggestion. Donc en cliquant là, vous allez voir d'abord ceux qui ont déjà suggéré pour cette crypto. Donc il suffira seulement de s'identifier, s'enregistrer pour que vous puissiez donner votre suggestion de manière à ce que l'équipe de baby Dogecoin puisse savoir ce qu'il faut, de manière à ce que la communauté continue toujours de prendre de l'allure positive. Alors en termes du prix, si nous parlons de prix aujourd'hui, nous sommes à 8,0 après la virgule, 14,65, ça c'est le prix d'aujourd'hui. Mais vous pouvez toutefois vous poser la question, quand est-ce que la crypto commencera à casser des zéros? C'est la question qu'on se pose régulièrement, qu'on aura, quand est-ce qu'on va casser des zéros, quand est-ce. Mais aujourd'hui, je suis là pour vous expliquer ce qu'il faut pour que la crypto commence à casser des zéros. Il y a des choses que la crypto doit faire, parce que aujourd'hui, au moment où je suis en train de vous parler, le market cap qui est à 872 777 896, ça c'est ça le market cap au moment où je suis en train de vous parler. L'approvisionnement en circulation, vous voyez ce qui est là, mais normalement il y a déjà une diminution, mais on va juste se référer à ça pour ne pas vraiment vous embrouiller dans la tête. Et connaissant que l'allure du burn de 50 quadrillions, nous avons une forte probabilité à ce qu'on puisse supprimer les 50 quadrillions. Si on supprimait les 50 quadrillions, on va rester dans le 109 quadrillions. Donc on va aussi faire référence à 109 quadrillions. Donc sans pourtant beaucoup vous embrouiller dans la tête, il y a vraiment d'autres choses qui sont cachées que je ne peux pas vraiment parler beaucoup plus dans cette vidéo, mais on va juste se référer à ce que je viens de vous dire pour ne pas vraiment vous embrouiller dans la tête. Alors on va directement lancer notre calculatrice. Donc on espère que la crypto puisse entamer ses prix 1 2 3 4 5, et un seulement là, je prends ces prix. On espère qu'on puisse réaliser ces montants, et si il faut réaliser ces montants, il faudrait que la crypto puisse casser des zéros. Donc là nous allons dire qu'il faudrait que la crypto puisse casser 3 0, parce que là nous sommes à 8 0, mais ce que je viens de vous dire, il y a seulement 5 0. Et si nous faisons on divise par le prix d'aujourd'hui, donc je prends 1 2 3 4 5 6 7 8, et je prends 14 65. Là c'est 14 65, on met égal. Vous allez comprendre que
C'est ça que je viens de donner comme résultat par rapport au calcul. C'est ça, il y a une différence de ce que vous voyez là. Et comme il y a une différence de ce que vous venez de voir, si nous prenons ces prix-là, c'est ce que vous venez un peu de constater, qui est la différence du prix que nous souhaitons que ça puisse atteindre et les prix d'aujourd'hui. Si on le multiplie par les market cap aujourd'hui où je suis en train de vous parler, les market cap qui est là, on va le multiplier. On va les multiplier par, je prends 200, 272, 272, 700, 797, 17, voilà. Et 880, 896, on prend ça et on fait égal. Vous allez constater que pour que la crypto puisse réaliser ces genres de montants, donc ces genres de prix 0,0050 après la virgule et 1 à la fin, il faudrait qu'on ait la possibilité d'atteindre ce market cap. Si on parvenait à atteindre ce market cap, ça va nous faciliter à ce que nous puissions atteindre, casser donc 3 zéros. Et si on cassait les 3 zéros, c'est ce qui va faciliter à ce que nous puissions atteindre ce genre de prix. Ça, c'est la première procédure que je viens de vous expliquer. Un deuxième exemple que je pourrais donner, si par exemple on souhaite aussi qu'on puisse même casser un zéro, deux zéros, comment est-ce qu'il faut faire? Le market cap de 1 million. Donc, je prends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je prends 9 zéros et 1 devant. Donc, c'est ça les market cap qu'on souhaite par exemple réaliser. Parce que là, les market cap présentement, c'est encore petit. Si on parvenait à réaliser ce market cap, on va les diviser par les jetons qui sont en circulation. Je dis ici c'est 159 quadrillions, on va les diviser, on va par exemple soustraire les 50 quadrillions qu'on aura à brûler. Si on supprimait les 50 quadrillions qu'on aura à brûler, on va rester avec 109. Donc si je prenais, on divise par 109, je prends 109. Ici, je vais prendre 278, 278, 394, 658, 793, 747. Égal, vous allez comprendre que on doit toujours être dans le 80 mais à 9. Donc, tout près de casser un 0. Tout près de casser un 0. Donc 0,00000 jusqu'à 80 et ajouter un 9 à la fin. On doit réaliser sur ce genre de prix. Donc 0,00000000 et 9 à la fin. C'est ce qu'on va réaliser. Maintenant, vous allez comprendre que ce que je vous ai dit comme premier exemple et deuxième exemple, vous allez comprendre qu'il faudrait, par exemple, si on parvenait à réaliser une affaire de 2 au lieu de 1, donc le market cap, 1 milliard, voilà, 1 milliard, ou bien l'équivalence de 2 milliards et au-delà, nous aurons la possibilité de casser même 1 zéro, 2 zéros. Et si on continue toujours d'évoluer, vous allez comprendre que il faudrait que les market cap puissent continuer et prendre un montant là significatif pour commencer à espérer casser des zéros. J'espère que vous avez compris le contenu de la vidéo. Alors si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas de nous soutenir avec un beau pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si vous avez une autre proposition pour qu'on puisse casser les zéros, n'hésitez pas de nous mettre en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez à ce qu'on puisse casser un 0 2 0 dans les années à venir. Alors, on se retrouve au prochain numéro.